prends mon verre flamme rose. Pas de ça dans l'intro. Hein. Tu veux que ce soit. Tu veux que ce soit ça l'intro? Non. Non, mais c'est ma faute, je t'avais pas prévenu. En fait, lorsque tu fais des vidéos avec moi, tout ce que tu fais sera retenu contre toi. Attends, au revoir. Le visage là. N'oubliez pas les likes, allez, salut. Bon, allez, on va commencer la vidéo parce que sinon on va jamais faire la vidéo après. Là, je vais une vidéo un peu différente aujourd'hui, donc je vous avais fait un sticker sur Instagram vous disant qu'en gros bah, j'allais faire une vidéo avec un docteur et que... Eh ben c'est pas lui. En arrivant, je me suis rendu compte qu'il m'a menti et qu'il est pas vraiment docteur, mais maintenant qu'il est là, on va faire avec lui quand en même. En vrai, je suis youtubeur. Mais avant ça, il faudrait peut-être que tu te présentes, je suis mal poli, putain, je raconte ma vie depuis tout à l'heure, je t'ai pas encore... Bah bonjour à tous, moi c'est Paul Mathieu et je suis sur YouTube aussi, la chaîne du doc. Et bah, je suis médecin, je suis cardiologue et je vais répondre aux questions de Nage qu'il a sélectionnées. Alors j'espère qu'elles t'a dit elles sont intéressantes. J'espère que tu m'as pas menti parce que sinon je réponds pas. C'est pas les questions de Nage, c'est les questions des petits copains de Nage. De la Nage B-Team. De la Nage B-Team. En vrai, ouais, là, et là on va enchaîner. Boum 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 boum. Limite, on les fait tous. Un truc de fou. Je vais mettre un chrono. Et top, on va buzzer, tu sais. Vas-y, quand t'as la réponse, tu buzzes. Alors, s'entraîner chaque semaine différemment est productif ou non? Exemple, semaine 1 bulgare, semaine 2 en science. En gros, les gens qui changent de programme chaque semaine. Bah non, pas productif. Changer toutes les semaines. Donc, il y a effectivement bon, des coachs qui ont développé le sujet bien mieux que ce que je vais faire en quelques secondes. Mais changer de programme toutes les semaines, en gros, c'est souvent contre-productif à de rares exceptions près d'athlètes qui ont besoin de changement. Mais là, pour la plupart des gens, il faut garder un programme, on va dire, au minimum du minimum, 6 semaines pour avoir des adaptations. Parce qu'en fait, déjà, on s'en rend compte quand on va à la salle de sport, le temps qu'on s'adapte au programme, aux exercices, il faut déjà au moins, enfin je sais pas, moi c'est perso, mais au moins 2 à 3 séances avant de commencer à pouvoir, on va dire, performer sur le programme. Donc pour moi, toutes les semaines, c'est vraiment facile à répondre, c'est contre-productif. Ouais, sachant qu'en plus, il y a l'histoire de la lassitude, mais tu te lasses pas en une semaine. Parce qu'une semaine, ça veut dire une fois chaque séance. Si le mec il est lassé au bout d'une fois, il est mal barré en muscu. Ouais, ouais, c'est chaud. Il y a deux choses qui te font changer un programme et deux choses seulement. Numéro 1, t'as arrêté de progresser. Numéro 2, tu t'es lassé. Ouais. Si aucune de ces deux choses n'est arrivée, continue. Pas besoin de jouer, c'est vrai, non mais... L'entraînement doit-il changer avec l'âge? Charge, fréquence, etc. Bah malheureusement, au début on commence la muscu, on est jeune, on est fougueux, on se dit moi je changerai jamais, je vais m'entraîner à fond. Et en fait, la vie te rattrape, l'âge te rattrape. Et tu te rends compte que tu récupères plus comme avant déjà, alors je vais paraître un peu vieux jeu, vieux con, mais à 30 ans, je me rends compte, je pensais pourtant hein, que ça allait pas m'arriver, mais déjà, entre 30 ans et 20 ans, je me rends compte que je récupère plus de la même façon. Ça va encore, mais avant, je pouvais sortir le soir, ne pas trop dormir et m'entraîner, et aujourd'hui, il y a certaines séances, elles me font un peu plus mal, et il y a des jours, je suis vraiment plus fatigué qu'avant. Donc, bah malheureusement ou heureusement, l'entraînement doit s'adapter en fonction de ton âge. Et l'autre chose aussi, c'est ton année, c'est tes années d'expérience. Si tu démarres la musculation à 30 ans, à 40 ans ou à 50 ans, clairement, ne va pas imiter le mec qui démarre la muscu à 15 ans, parce qu'en termes de, bah de nerveux, en termes de souplesse, en termes de capacité d'adaptation, en termes de muscles, il n'y a rien qui est pareil, et il te faudra beaucoup plus de temps à 50 ans, à 40 ans, plus tu vieillis, en fait, pour t'adapter et pour progresser, mais aussi pour récupérer. Donc il faut adapter, bien sûr, à chaque âge. Y a-t-il des limites pour une ancienne obèse, autre que excès de peau? En gros, je pense que l'idée de sa question, c'est par exemple, est-ce que je peux me dire demain j'ai le corps d'une compétitrice en bikini? Genre, est-ce qu'il y a un moment où je me dis non, ça c'est pas pour moi? Bah, c'est une question difficile et pas forcément difficile. Il y a des transformations qui ont été incroyables. Donc, à mon sens, la seule limite, enfin la seule, c'est pas la seule, mais la principale limite, c'est l'état d'esprit et la motivation, la volonté. Après, effectivement, la personne qui veut peut-être faire. Enfin, je vais pas dire compétition bikini, mais qui viserait le plus haut niveau d'une discipline ou faire Miss France, enfin des trucs comme ça. Effectivement, il faut peut-être aussi être réaliste, mais de toute façon, sans être obèse, il faut être réaliste aussi. Hein. Voilà, je veux dire, moi, je me présente pas. Mais après, effectivement, il y a l'excès de peau, il y a aussi probablement aussi les habitudes, c'est-à-dire que souvent les gens pensent qu'on peut changer beaucoup plus rapidement que ce qu'il est possible de faire, c'est-à-dire qu'en fait, en général, bah, l'obésité c'est quelque chose de très complexe, c'est quelque chose de multifactoriel, et c'est souvent l'accumulation de petites erreurs qui à la fin font qu'en fait, il y a un mode de vie qui est à revoir. Et le problème de ça, c'est qu'un mode de vie, c'est le plus difficile à changer, et du coup, pour revenir en arrière sur plusieurs années, on va dire, d'un mauvais mode de vie, ça peut pas se faire en 3-4 semaines, ça peut rarement se faire en un an. On va dire qu'à partir de un an, si on parle d'obésité, de vraie obésité, hein, un an ça me paraît être un délai raisonnable. Mais après,
effectivement, l'excès de peau, elle l'a dit, mais sinon, à mon sens, il n'y a pas d'autres limites, à l'exception, et ça va rebondir à la question d'avant, sur la récupération, c'est-à-dire qu'il faut faire attention aux articulations, il faut faire attention, enfin, le corps d'une personne obèse, c'est pas le corps d'un mec qui a fait de la muscu ou même du sport depuis son plus jeune âge et qui est en parfaite santé et pour lequel son corps serait parfaitement rodé. Mais clairement, il y a des transformations incroyables qui ont montré qu'on peut tout faire. C'était beau, ça. C'était beau. Tendinite, repos ou entraînement ? Question pas facile. Je dirais qu'il faut plutôt s'entraîner, mais s'entraîner intelligemment. Le repos, c'est rarement la solution. Parce qu'il y a des gens qui se blessent. Enfin, bon, là, on parle de tendinite. Voilà. Une tendinite, il y a des gens qui font plus rien. Voilà, je suis blessé, j'ai mal au coude, j'ai mal à tel ou tel endroit, je fais plus rien. Ça, pour moi, c'est une erreur. Il faut s'entraîner intelligemment. C'est-à-dire, déjà, il faut revoir pourquoi on s'est fait une tendinite. C'est-à-dire, en gros, quel mouvement a conduit à la blessure, parce que souvent en fait les gens ils pensent juste qu'ils vont attendre 2-3 semaines et qu'ensuite ils vont revenir, ils vont faire la même chose et finalement la blessure elle va revenir même si elle a guéri, souvent malheureusement partiellement, mais en ne changeant pas les causes qui ont provoqué la blessure, ça va revenir. Deuxième chose sur le plan purement récupération, actuellement on est plutôt à dire qu'il faut faire du léger pour faire en gros circuler le sang, c'est une réponse un peu bateau, mais en gros apporter du sang, apporter des nutriments, apporter des choses qui vont favoriser la récupération. Donc plutôt s'entraîner extrêmement léger avec une règle de la non-douleur. En gros, si vous avez mal, si un mouvement vous fait mal, vous l'arrêtez tout de suite, mais c'est bien de chauffer la zone. Et souvent, les tendinites, on se rend compte qu'on a mal au début, et si on continue de forcer, ce qu'il ne faut pas faire, mais si on continue de forcer, la douleur diminue. Donc, c'est pas la preuve, mais c'est l'idée, c'est le concept justement de s'entraîner léger sur la blessure, c'est qu'on va favoriser la récupération, bien sûr, de façon, on va dire, raisonnable. Autre chose, je ferai juste une parenthèse là-dessus, il y a aussi c'est pas une théorie, c'est une application, mais c'est les excentriques lourdes, t'as déjà entendu parler de ça, mais pour faire récupérer les tendinites, l'idée c'est de faire en gros juste une négative avec du lourd pour étirer le tendon et le forcer à se contracter sans atteindre forcément la douleur, mais ça permettrait justement de favoriser la récupération. Donc pour moi c'est plutôt entraînement, mais entraînement intelligent, comme tout ce que vous devez faire en musculation. On n'est pas des brutes. On doit pousser, mais avec intelligence. Avec le cerveau, s'il vous plaît. Ça aussi, c'est beau, t'as pas pleuré ? J'ai pas pleuré sur celui-là, mais c'était beau quand même. Je vais pas pleurer à chaque fois non plus. Non, c'est vrai, sinon la vidéo, elle va prendre une tournée bizarre. Pourquoi les femmes ne prennent pas autant de masse ? Bah, c'est très simple, en fait, il vous manque deux choses. Peut-être vous saurez ce que c'est. Allez, ceux qui ont ce que c'est, dites-le en commentaire. Et indice, ces deux choses produisent des hormones, notamment de la testostérone. Voilà pourquoi, en résumé. Hey, j'attendais de voir où t'allais aller avec cette question. Je me suis dit, écoute, il y a une chance sur deux que je doive me désolidariser de lui. J'étais pressé de... Écoutez, je ne connais pas cette personne. Bon, c'est vrai, voilà. En gros, c'est tout simplement une question hormonale. En gros, d'un point de vue hormonal, eh ben, vous avez tout simplement... un profil hormonal qui fait qu'il est beaucoup plus difficile pour une femme de construire du muscle. Après, tout est relatif, ça veut dire qu'il y a des femmes qui vont avoir une propension à construire du muscle plus élevée que certains hommes. Ouais. Encore une fois, c'est propre à chacun. Ouais. Et puis l'autre chose, c'est que les femmes peuvent prendre beaucoup plus de muscles que ce qu'elles pensent. Mmh. Que ce qu'elles pensent. Ça veut bien sûr pas dire, là aussi, elles vont pas devenir Mister Olympia ou bodybuilder. Mais prendre du muscle pour une femme, c'est tout à fait possible. Il y a beaucoup de sportives, même sans parler du dopage, hein, qui le montrent. On a pas mal d'exemples en crossfit. On a pas mal d'exemples dans les salles de sport, on a pas mal d'exemples dans n'importe quel sport. Vous prenez le handball, enfin vous prenez des sportives, je vais dire, de sport classique. Bah elles ont des corps musclés, donc oui, on peut prendre de la masse pour une femme. Peut-être pas autant qu'un mec, mais on peut en prendre. Pas mal. Retenir sa respiration sur les exercices est-il mauvais ? En fait, c'est mauvais dans le sens où si tu retiens la respiration et que tu oublies de respirer, à un moment, tu vas manquer d'oxygène et tu vas mourir. Donc, partant de là, c'est... important de respirer, mais... mais bon, je pense que je comprends ce qu'il veut dire. Il parle du Valsalva, c'est en gros quand on bloque, on pousse, et le but c'est de soulever plus lourd, alors plus lourd ou pas forcément, mais en gros, ça permet de se sentir un peu plus en sécurité, un peu plus confiant, on va dire, un peu plus fort, parce que effectivement, bloquer la respiration, faire un Valsalva, donc voilà, le Valsalva, c'est l'autre terme, c'est les efforts de pousser à glotte fermée. On bloque la respiration, on pousse, ça augmente la pression intra-thoracique, intra-abdominale, ça rigidifie le corps et ça permet, de façon très résumée, une meilleure transmission des forces. Donc le corps est plus gainé et donc on pousse plus lourd. Maintenant, est-ce que c'est dangereux ? Forcément, si on fait un Valsalva extrême, il peut y avoir des conséquences
un peu négatives pour le corps. C'est rare, mais ça peut arriver, notamment par tout ce qui va être le biais de l'augmentation de la pression artérielle. Ça peut faire chez certains powerlifters, ils se mettent à saigner du nez, ils ont des vaisseaux dans les yeux qui éclatent. Parfois, c'est rare, mais c'est décrit en médecine, donc ça arrive d'en voir des gens qui vont faire des dissections aortiques, des hématomes cérébraux. Après, bien sûr, ça arrive pas à chaque fois qu'on fait la Valsalva, heureusement, sinon la salle de sport, ce serait un repère de personnes handicapées. Mais c'est possible. Donc, ça veut pas dire qu'il faut pas faire de Valsalva, parce que moi je dis toujours, si tu vas faire un squat mais que tu gaines pas, que tu fais pas un Valsalva, du coup tu vas te plier en deux en fait. Et tu vas finir hémiplégique d'une autre façon. Donc non, bien sûr qu'il faut le faire, mais il faut pas forcément pousser de façon déraisonnée. Maintenant, tu peux pas empêcher ce mouvement, c'est quelque chose de naturel. Si l'on doit commencer à se charger, quels seraient tes conseils? Je sais pas, c'est la question que je reçois franchement au moins une fois par jour. Dans chacune de mes vidéos, je dis toujours, je donnerai pas de conseils parce que, un, je pense que c'est pas quelque chose à faire, c'est pas quelque chose qu'il faut encourager, parce qu'il y a des effets négatifs, vous le savez, les gens le savent, mais les gens cherchent toujours le truc miracle. Ah putain, il est médecin, il va nous donner la solution pour se charger en toute sécurité. Mais en fait, déjà, un, j'ai pas la réponse, et deuxièmement, je peux pas vous encourager à ça, sinon je vais plus pouvoir exercer mon métier de youtubeur. Donc, cette personne-là n'aura pas la réponse. Voilà. Par contre, juste, tu peux venir me voir en privé. Non, je rigole. Non, c'est une blague, après, je vais vraiment avoir des problèmes. Est-ce qu'on peut transformer le gras en muscle? Vaste débat. J'aimerais bien. C'est comme les Pokémon, ils évoluent, tu vois. C'est... Non, pour là, on va simplifier la question, la réponse. Non, on peut pas. Mais, je dis mais parce qu'il y a quand même des recherches scientifiques qui montrent que possiblement il pourrait y avoir une transformation de certaines cellules graisseuses en muscle, c'est la transdifférenciation. Okay. Je vous laisserai chercher. Okay. Mais le problème, c'est que là, les gens, ils vont cutter ça, ils vont dire, ouais, il a dit qu'on pouvait transformer le gras en muscle. Tu vas finir dans un zapping. Ouais, dans un zapping. Donc, c'est mal barré, donc retenez pas ça. Retenez que non, on transforme pas le gras en muscle. Quand tu vas arrêter, ça va se transformer tout en gras. Moi, je veux prendre du muscle gras. Enfin, du muscle gras, ouais. Du muscle fonctionnel. Du muscle de qualité. C'est un but, ça, la prise de masse sèche. Ouais, Comment relancer son métabolisme quand on a fait des katas avec des régimes? Ça aussi, c'est une question difficile, mais parce que effectivement le métabolisme se ralentit. Le problème des régimes, c'est que c'est pas qu'une histoire de calories et de faim. Le problème, c'est que parce que les gens raisonnent calories qu'on dépense et calories qu'on ingère. Ça, c'est vrai. Le problème, c'est que pour résumer très rapidement, le corps, c'est une superbe machine, mais qui est régulée en permanence et régulée par des choses qu'on contrôle pas. Ça veut dire que ton corps, il est très bien fait pour que tu survives. Donc forcément, dès que tu vas manger moins, il va en gros ralentir le métabolisme. Et du coup, à force de faire des régimes et de se restreindre en calories, on ralentit son métabolisme. Et le problème, c'est que si on enchaîne les régimes sans jamais avoir récupéré son métabolisme, c'est-à-dire en gros, le nombre de calories que le corps à l'équilibre aurait besoin pour fonctionner, du coup, plus on va enchaîner les régimes et plus on va ralentir encore plus le métabolisme. Et au final, on voit des gens qui ont ce qu'ils appellent vulgairement le métabolisme déréglé, le métabolisme flingué, genre c'est ce qu'on entend, j'ai bousillé mon métabolisme, ça veut dire je peux plus consommer beaucoup de calories, maintenant je dois consommer, et des fois on entend des femmes avec 800 calories, 900 calories, et effectivement, c'est pas des blagues, si elles consomment plus, du coup elles sont au-dessus de leur métabolisme, genre 1200, alors que 1200 on peut se dire, c'est extrêmement peu, enfin 1200 c'est théoriquement même pas ce que devrait consommer une femme, enfin normal, il n'y a pas de normalité, mais ça reste peu. Mais du coup, elles sont à plus 300 calories par rapport à leur métabolisme qui s'est ralenti, et du coup, même en mangeant très peu, elles grossissent. Et c'est pour ça que souvent, on entend des gens, c'est un peu le débat, on entend des personnes qui sont en surpoids, qui sont obèses, et qui disent « moi, je mange rien et je grossis ». Et t'as d'autres personnes qui vont venir, qui vont se moquer, qui vont dire « ouais, de toute façon, c'est n'importe quoi, tu peux pas être obèse si tu manges rien, ça se saurait ». Oui et non, effectivement, si tu manges vraiment rien, bien sûr que non. Maintenant, tu peux manger peu, mais être malheureusement en surplus si tu as vraiment déréglé ton métabolisme. Là, j'ai absolument pas répondu à la question, qui était de savoir comment on sort de ça. Mais en fait, en comprenant ça, l'idée, c'est que tu peux faire, et je vais pas détailler parce que ça prendrait, franchement, il faudrait en parler pendant 30 minutes. Mais je pense qu'il faudra faire une vidéo spéciale. Sur ma dernière, on me l'a beaucoup demandé, le métabolisme. Mais c'est une question qui revient tout le temps parce qu'en fait, c'est une question très vaste, c'est une question très intéressante et c'est une question qui concerne énormément de monde et dont les gens n'ont pas forcément la solution, la réponse, parce que c'est complexe, c'est multifactoriel. D'accord. Mais l'idée, c'est de relancer son métabolisme très progressivement, c'est-à-dire qu'à mon sens, je vais faire une réponse très simplifiée, mais il faut compter le nombre de calories qu'on consomme pour ne pas prendre de poids, pour avoir son métabolisme, le nombre de calories, et remonter de façon très progressive. Parce que c'est sûr que tu passes de 1000 calories à 1500, tout de suite,
ton métabolisme il comprend pas, donc tu grossis, et donc tu grossis, donc tu dis je prends du poids, donc t'as peur, donc tu reviens un peu avant, et finalement c'est le yo-yo qui va encore plus aggraver les choses. Donc il faut vraiment monter semaine après semaine, plus 20, enfin je dis 20, ça peut être 30, mais vraiment très progressivement, et souvent on se rend compte que le corps grossit extrêmement peu tant qu'on reste à des petites fourchettes pour progressivement remonter. Et à mon sens, c'est comme ça qu'il faut prendre le problème. Il y a, juste pour vous donner des pistes, il y a beaucoup de gens qui en parlent, le reverse diet, c'est, je pense, une bonne piste de réflexion si vous voulez creuser le sujet. Les genoux qui craquent, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose? C'est... En fait, s'ils craquent, je sais pas quoi te répondre. Non, je vais pas dire que c'est une bonne chose. Ouais, ça craque. Tout dépend, ça dépend. Souvent, c'est des bulldozers, simplement. Ouais, c'est ce qu'on dit quand les gens se font craquer les doigts. Il y avait un chercheur, je crois que c'était un Autrichien, ou un Suisse, un des deux, qui, en fait, voulait prouver que, tu vois, parce qu'on dit beaucoup, quand tu te claques les doigts, ça fait de l'arthrose, ouais. Et qui, en fait, pendant 50 ans, ne s'est claqué les doigts que de la main gauche. Zéro différence. C'est vrai ? C'est intéressant ça. Ouais. Donc, du coup, non. Après, s'il craque parce que t'as une fracture ou un os qui est déplacé. S'il craque et que ton os sort de ta peau, là, ça peut ouais, voilà. C'est une mauvaise chose. La fenêtre anabolique. Que penses-tu ? La fenêtre anabolique. Je sais que la fenêtre de chez moi, elle doit pas être très anabolique. Sinon, j'aurais plus de muscles. Mais peut-être que je vais en faire installer. Voilà, la fenêtre anabolique, c'est les mecs qui se précipitent après leur séance, qui boivent leur shaker presque juste après leur dernière série, vite. Ouais. Et avant, dans les magazines, si tu vois les vieux magazines, on disait ouais, vite, il faut que tu manges tes protéines tout de suite après ta séance. Peut-être que tu l'as fait nage, et je te jugerai pas parce que moi-même, je l'ai fait. Il n'y a pas un mec qui s'entraîne depuis plus de 5 ans qui l'a pas fait. C'est la base. Ouais. Au début, on a tous, on a sprinté. On a fait la ruée vers l'or jusqu'au shaker, on l'a tous fait. J'ai oublié mon shaker, là c'est le mal. Là tu te dis putain, le temps de me rendre chez moi, je catabolise. Il n'y a pas de je catabolise, j'allais dans un magasin, je me prenais des blancs de poulet, des trucs. J'ai jamais... Non, c'était sacré. Ta séance, elle était annulée si tu mangeais pas juste après. Ouais, c'est ça. C'était ouf. Hein. Autant pas venir, hein. T'étais presque prêt à manger le shaker d'un autre mec, à lui voler le shaker. Non, mais attends, on n'a pas répondu. On parle. Donc la fenêtre anabolique. Bon, la fenêtre anabolique, ça existe ou pas? En fait, à la base, ça a été amplifié parce que le but, c'est de vendre des suppléments. Concrètement, t'as assez peu de mecs, même les mecs les plus déterres, qui se ramènent avec le poulet ou le steak dans le sac de sport pour pouvoir le manger juste après dans le vestiaire. Donc la seule façon finalement d'avoir les protéines directement après l'effort, c'est le shaker. Et qui dit shaker, dit supplément. Qui dit supplément, dit que vous allez payer pour avoir ce supplément et donc que vous allez engraisser l'industrie du fitness. Donc effectivement, la fenêtre anabolique, elle a été un petit peu amplifiée, érigée. C'est un peu la règle universelle des bodybuilders. Mais pourtant, elle part d'un concept qui est réel. Effectivement, quand tu fais du sport, en fait, tes muscles sont plus réceptifs à tout un tas de substances. Donc effectivement, après l'effort, tu assimiles plus les protéines, enfin dans le muscle, hein, bien sûr. Ton insuline, enfin, t'as besoin de moins d'insuline pour faire rentrer les glucides, les acides aminés dans les muscles. Donc oui, c'est quelque chose de vrai. Maintenant, la fenêtre anabolique, au sens où les gens l'entendent, c'est-à-dire une demi-heure et puis la 31e minute, c'est trop tard, le muscle se referme, la fenêtre se referme, ça non. Donc en fait, c'est... oui, c'est... Je sais pas comment, j'arrive pas à faire avec la main. Bon, bref, vous aurez compris, ça s'ouvre et ça se referme très progressivement sur la journée. Après la séance, je peux pas manger direct, non. Mais t'as pas faim ? Non, faut que j'attende. Comme quoi, moi j'ai la dalle juste après. Ah ouais ? Le gros porc. Dernière question. Est-ce que tu peux me faire... Bon, je vais remixer un peu la question. La question, c'est les compléments alimentaires les plus utiles et vérifiés. Moi, est-ce que tu pourrais me donner ton top 3 et ton flop 3 ? Alors, avant, je vais vous dire code DOC10. Non, c'est pas vrai, j'ai pas de code. Ça aurait pu marcher si je l'avais dit de façon un peu plus marrante. Code DOC10 pour avoir des verres flamant roses. Non, je mettrais un vrai code pour Iron Shark. Là, si tu m'as tendu la perche. C'est vrai. C'est vrai que sans le vouloir... Ah oui, j'allais pas faire de placement de produit, mais là, comme tu le dis, c'est si gentiment dit, bon, remplacez-vous. Si naturellement. Ah oui. Bon, c'est pas facile. Je vais dire, mon top 3, ce serait tout ce qui va être protéines, si on peut appeler ça des compléments. Au final, c'est de la bouffe en poudre, hein. on va pas se mentir, mais on va dire que ça fait partie des compléments dans le sens où ça te fera pas gagner du muscle, mais ce sera plus pratique
que manger du poulet. Moi, je sais que personnellement, j'aime bien prendre des protes. Les gens me disent, ah, c'est pour le sport. En vrai, ça me fait mon petit déj parce que quand je me lève le matin, souvent, je suis pressé et je trouve que c'est beaucoup plus facile de se faire un shaker avec voilà, des flocons d'avoine, de la whey, que de, même de faire cuire, en fait. C'est juste, j'ai pas le temps, j'ai la flemme et tout. Et puis, ça se digère, je trouve, beaucoup mieux le matin. Ouais. Voilà. Mais après, c'est pas pour prendre du muscle. C'est plus pour avoir un petit déjeuner qui est assez équilibré. Donc, en 1, ce serait les protéines. En 2, alors j'hésite à le mettre là, mais je dirais peut-être la créatine. Ok, très clairement. J'hésite à le mettre là parce que, perso, je réagis pas très bien dans le sens où, en fait, j'ai pas d'effet avec de la créatine. Maintenant, on va dire, on va pas parler de moi, on va parler des gens en général. La créatine, c'est une des molécules les plus étudiées scientifiquement. Et c'est celle qui a des effets les plus prouvés dans les études. Que ce soit en termes de force, en termes de récupération. Alors, les gens vont tout de suite penser que tu vas pousser deux fois plus lourd. Non. C'est un petit pourcentage, mais on va dire que sur le long terme, c'est une molécule qui est inoffensive, qui n'a pas d'effet indésirable, qui a globalement un bon profil de résultats divers et variés, même s'ils sont faibles. Et mon dernier argument pour le mettre dans le top 2, c'est le prix. C'est que je trouve que ça coûte pas très cher, donc en fait, tu peux te supplémenter à l'année. Alors, pas très cher, tout dépend du budget, bien sûr, on n'a pas tous les mêmes. Mais tu as des compléments, ils sont peut-être utiles, mais ils valent super cher, donc on n'a pas tous... 100 balles par mois à mettre dans les compléments. Donc la créatine, tu peux t'acheter un pot de 2-5 kilos, ça va te faire l'année, voire même 2-3 ans, et au final, par jour, ça te coûte quasiment rien, pour avoir pourtant beaucoup de bénéfices. Et le troisième, je pense que je vais faire de la controverse, J'hésite entre le collagène et les boosters, mais je pense que je vais prendre les boosters. Je vais prendre les boosters, pourquoi ? Alors, okay. Booster, en fait, en plus, c'est bidon, parce que booster, c'est tout et n'importe quoi. Je reçois tellement de fois la question, qu'est-ce que tu penses des boosters ? Est-ce que c'est dangereux et tout ? En fait, booster, ça veut rien dire, dans le sens où tu peux mettre ce que tu veux dans un booster. Un booster, c'est juste un truc qui va te faire performer un petit peu plus à la salle de sport. Mais du coup, ce que je vais inclure, on va dire, c'est la caféine. Okay. Je vais dire la caféine parce que c'est le seul supplément, à mon sens, où tu sens un effet. En fait, tu peux pas te dire je prends de la caféine et je réponds pas. Si tu prends ton pré-workout, tu vas faire une meilleure séance et donc finalement ça va pas te faire prendre plus de muscles, mais ça va t'en faire peut-être prendre un peu plus parce que tu auras fait une meilleure séance si tu étais fatigué, parce que ça va te donner envie de pousser un peu plus lourd. Donc pour ça, à mon avis, c'est un supplément qui est je pense qu'il mérite sa place dans le top 3. Non, voilà, et du coup, tu m'as pas dit ton flop. Mon flop 3. 3. 3 aliments, 3 suppléments qui sont surcotés. Surcotés. Bah, le premier, je vais te dire, c'est les gainers. Les weight gainers. Pour moi, c'est surcoté. Pas parce qu'un gainer, ça marche pas. Ouais, ça fait prendre du poids. Mais les gainers que t'achètes, souvent, c'est abuser les ingrédients qu'il y a dedans. Oui. Déjà, ils te vendent le truc comme à l'époque. Hein. Bon, je sais pas s'ils le font encore, ça fait longtemps que j'ai pas regardé. Mais le mec sur la présentation, un mec énorme, genre attention, avec ça, vous pouvez prendre. Ils ont toujours des noms de ouf, genre XL Mass Monster. Celui que j'ai pris à l'époque, ça s'appelait le Mutant Mass. C'était un gros pot de 8 kilos. Il y avait le truc radioactif. Ouais, là. Il y avait le truc radioactif dessus, genre. Déjà, je me dis, mais j'ai été con d'acheter un truc où il y a un logo radioactif. Si t'es un minimum sensé, tu devrais pas le faire. Mais là, t'es tout l'esprit. Attention, c'est du poison. Trop puissant pour être... en mutation. C'est ça. Trop puissant pour être légal. Tu sais, t'entends des fois des suppléments comme ça. À la limite de la légalité. Alors qu'en fait, le truc, c'est du sucre. C'est du sucre. Ouais, donc les gainers... T'as vendu du Nutella en poudre et tout. Non, mais c'est ça. Franchement, les gainers, c'est abusé, c'est du sucre rapide, à l'époque, putain. C'est des protes, sauf que souvent c'est des protes de mauvaise qualité, bah oui, c'est du sucre de mauvaise qualité, ils te disent attention, c'est une matrice brevetée avec 18 brevets, clairement. En fait, non, c'est du sucre, hein. Voilà, bon bref. Deuxième flop, t'es le dextrose. À l'époque, c'est vrai que, à la fenêtre anabolique, hein, on te disait, voilà, il faut que tu te prennes un gros pic d'insuline de... Je vais pas dire de gros mots sur sa chaîne pour pas le démonétiser, mais voilà, un gros pic de... d'insuline. Et du coup, la meilleure façon de faire monter sa glycémie et donc son insuline, c'était pour recharger les muscles. Hein. Attention, hein, c'était pas pour prendre du grain, c'était pour recharger. C'était le dextrose. Alors le dextrose, en plus, tu te dis, ouais, c'est quoi ce sucre ? C'est du dextrose. En fait, le dextrose, c'est du glucose. C'est juste que c'est le nom scientifique du glucose. Et le dextrose, du coup, ça valait cher à l'époque parce que autant le sucre de table, bon, c'est 50% de glucose, 50% de fructose, mais le dextrose, tu le trouvais qu'en magasin de muscu. Donc, t'allais acheter ton petit pot de sucre de 1 kg, ça coûtait peut-être 50 balles. C'est-à-dire pour du sucre, c'est ultra cher. Mais en plus, le problème de ça, c'est que j'étais convaincu que c'était la seule façon pour maximiser ma séance et prendre du muscle. Donc, je dépensais des fins des fortunes. Ouais, je dépensais cher pour avoir ma dose de sucre, en fait, après la séance, alors que j'aurais mieux fait de prendre n'importe quoi d'autre.
et ça servait à pas grand chose, sauf que bah si, en fait, après j'étais léthargique parce que le problème de ce gros pic d'insuline. Oui, après tu retombes. Après tu retombes, mais après t'as envie de dormir. Genre une heure après ma séance, ah ouais, je dormais, donc c'est sûr, en termes de récup, j'étais inefficace à la bibliothèque à l'époque. J'avais envie de dormir, j'étais pas bien, enfin pas bien, j'étais inefficace, improductif quoi. Donc en termes de prix, ça m'a coûté très cher. En termes de psychologie, ça m'a pas fait, enfin pas fait du bien, je vais pas dire que je suis devenu dépendant au sucre, mais ça servait à rien, et cette espèce de dépendance à un espèce de produit, c'est dépendance psychologique, hein. J'étais pas accro au sucre. C'est très bizarre de dire ça, mais... donc ouais, donc flop 2. Le flop 3... J'ai consommé quoi? J'étais pas là, je sais pas. Qu'est-ce que j'ai pris comme truc bizarre? Je bug. Oh là là, la vidéo va durer une heure à cause de mes hésitations. A few moments later. An eternity later. Putain. Ah si. Ah si, ça me revient. J'ai pas le droit, peut-être pas citer de nom de... Mais à l'époque, la marque de compléments alimentaires la plus connue d'il y a 5 ans, maintenant ils ont un peu... Je sais pas, on les entend plus parler d'eux. C'est qui? C'est MyProtein. Oui, c'est encore là. Ouais, c'est encore là, mais on n'entend plus comme avant. Ouais, franchement, ouais. Ils ont... Ils font un comeback, j'ai l'impression. Bah, je sais pas, j'ai l'impression qu'avant, on entendait, ils avaient plein d'influenceurs partout. Mais ils recommencent, là. Bon, ils avaient un vitamine B super complexe. Ok. En gros, le truc, tu prenais toutes les vitamines B, et tu regardais l'étiquette, t'avais marqué 1500% de vitamine B1. 3000% de vitamine B2. Franchement, c'était des dosages qui étaient délirants. Ils appelaient ça le super vitamine B complexe. Okay. Le problème de ce truc-là, c'est que quand tu le prenais, tu pissais fluo. C'est pas des blagues. Bon, les gens, ils pensent que tu deviens un mutant. En fait, c'est juste que je sais plus quelle vitamine, là, de tête, j'ai un trou. Il y a une des vitamines B, quand tu la prends en grosse dose, en fait, ça fait un résidu métabolique que tu élimines par les urines, qui est fluorescent, j'exagère, hein. Tu vas en boîte, tu fais pas du fluo, mais le truc sortait, c'était, franchement, ouais, t'aurais éteint les lumières, tu voyais, tu pouvais pisser dans le noir. Donc, faut pas prendre des compléments où on te dit t'as 10 000% de tes apports journaliers. Le mieux, enfin, le plus n'est pas le mieux. Non. Retenez ça, et peut-être que je vais te faire verser une deuxième larme, mais en faire plus, c'est pas toujours bon. Ce qui est bon, c'est de faire les choses intelligemment. Ah, c'est oui, de prendre les bons compléments aux bonnes doses. Okay. Respectez votre corps. Votre corps est un temple. Ok, tu mérites ta larme. C'est beau. Ça fait donc de larmes. Nous pouvons conclure cette vidéo sur cette deuxième larme. Ah là là, j'ai réussi. Bravo. J'espère que je vous ai fait pleurer aussi. Ah là, c'est sûr. Tu mettrais un petit noir et blanc, une petite musique trop triste quand je dirais ça. Comment est-ce que tu conclurais cette vidéo? Un message en particulier que tu veux faire passer? Franchement, je m'attendais à des questions intéressantes. C'est gentil ça. Non, je déconne, je vous aime bien, je vous promets. Non, c'était des questions... C'était cool. Ouais, c'était cool. C'était cool. D'accord. J'ai eu à réfléchir. C'était le but. Mais pourtant, je réfléchis pas beaucoup. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à aller follow le doc, je mettrai son Instagram. Alors, son Insta va s'afficher ici. Là. Non, bouge pas la main parce que c'est moi qui fais le montage et je suis pas fort. Donc reste à côté et on va rester immobile. Comme ça, j'ai pas besoin de... Parce que si je commence à faire des trucs comme ils font où ça bouge dans tous les sens, moi je sais pas faire ça. Donc il sera ici, il va pas bouger d'ici. Mais vous aurez également le lien en description de la vidéo. Donc si vous voulez simplement cliquer, je vous mettrai le lien de sa chaîne ainsi que de son compte Instagram. Voilà. Il va s'afficher là, la chaîne. Non, on c'est reste immobile. Attends. Là. Là. Voilà. Et en tout cas, et ben, la team, si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à nous le faire savoir en mettant des likes, des commentaires, des partages. Ceux qui ne sont pas encore abonnés, je vous vois, abonnez-vous. Et écoutez, je vous dis à la prochaine. Plein de joie et de bonne humeur. En attendant, et ben, ne lâchez rien, bien entendu. À part une larme. Non, la larme, c'est moi qui les lâche. Oh, pardon. Voilà. Donc ne lâchez pas de larmes, laissez-moi le faire. Bien entendu, soyez sexy. Peace. Peace.